Le Mont Saint-Michel a été donné aux Normands. C'est quand même grave. Hein. À faire culpabiliser les gens pour le diesel. Ouais. Elles sont pas mal, leurs pattes. Moi, je préfère la lenasse. Et France 4, oui, je m'inquiète, mais France 4, le fait que je ne sais pas. Le gasoil des bateaux, c'est pas le même que celui des voitures. Je suis technicien d'exploitation multimédia. Mon métier consiste à enregistrer 24 heures sur 24 110 chaînes de télé que nous captons. Il y a 25 ans, quand je suis arrivé à l'INA, on recevait les supports des chaînes, des supports qui étaient que de production française. Le contenu était beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, la multitude de chaînes, aujourd'hui 110 chaînes françaises, on retient beaucoup moins d'informations et les images nous marquent beaucoup moins. À l'époque, cette chaîne, on avait plus le temps de s'attarder sur le contenu de ce qu'il y avait. Aujourd'hui, moi, quand je rentre chez moi, j'ai très peu d'images qui me sont restées par rapport à ces 110 chaînes. Alors, ce que j'ai retenu, c'est l'image de foot sur l'équipe 21, forcément. Ce que je retiens, c'est la photo, question de survie, le koala en Australie sauvage. Je suis tombé sur un match de foot et donc j'ai vu que c'était l'équipe TV, donc forcément c'est ce qui m'a attiré. Le programme de Gulli, les Total Spice, probablement à cause des couleurs qui se démarquent du reste de l'écran. La chose qui m'intéresse plus, c'est le foot. C'est assez intéressant de voir toutes les chaînes comme ça en même temps et au même moment. L'image qui m'a marqué, c'est l'information météo, parce qu'il fait beau aujourd'hui et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait le lien. Ça mérite de s'interroger sur à quel rythme d'image on s'habitue et quelle stimulation, quelle surstimulation peut-être. On habitue nos enfants et donc nous, on s'habitue aussi.